Je suis de retour, hein. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube, mais voilà, là je suis de retour, pas exclusivement pour ce que vous attendez, mais pour autre chose. Clairement, pour ce début de printemps, j'ai envisagé de revoir la chaîne, revoir tout ce que j'ai pu produire sur la chaîne depuis le début, depuis le 10 mai. Et vu qu'on arrive bientôt à l'anniversaire de la chaîne, et ben j'ai profité de cet anniversaire pour revoir un peu tout ce que je fais sur la chaîne. Bon, déjà, premier point, j'arrête toutes les vidéos de ce que j'ai pu faire. Toutes les vidéos prank, tout ça, nanana, top, machin. Bref, on arrête tout. Vous oubliez tout pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais... j'arrête, donc je vous dis, toutes les vidéos que je faisais prank, tout ça, nanana, ça n'a aucun sens maintenant. Parce que comme vous le savez, sur une vidéo, j'ai parlé que ma passion, c'était le vélo. Donc je vais clairement faire une chaîne cycliste. Je vais refaire la bannière, je vais refaire le logo, je vais tout faire. Voilà, je vais me mettre au goût du jour. Hein, je refais toute la chaîne, je refais le logo, tout ça. Pourquoi je veux refaire cette chaîne? Tout simplement parce que je ne trouve aucune motivation à refaire des vidéos, à faire des vidéos prank, tout ça, parce que j'arrive bientôt au lycée, je préfère me pencher sur mes études, mais surtout pour faire quelque chose qui me plaît, parce que faire des pranks, tout ça, ça ne me plaisait pas trop, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je préfère faire des quelque chose qui me plaît avec Sport Report, filmer nos sorties, filmer tout ce qu'on peut faire à vélo, je vous montrer mes habits, les cuissards, les maillots, toutes mes affaires, le compteur Garmin Edge 1000. Je vais tout vous montrer, ma spécificité du vélo. Je vais plus faire des vidéos vélo en détail que c'est ce que j'ai pu faire sur les vidéos prank, tout ça, qu'on rigolait. Bon, certes, je vais garder quelques vidéos qui ont pas mal marché. Les deux vidéos, je vais garder que deux vidéos à mon avis, je fous tout en privé, mais je supprime pas, on sait jamais, on sait jamais, voilà. Ça, je mets tout en privé, et on va recommencer toutes les vidéos. J'enlève sauf deux, comme je disais, et on va refaire les vidéos. La vidéo sortira le week-end prochain, la toute première vidéo cycliste, toute première vidéo, je vais vous montrer mes affaires. Et la prochaine vidéo, ça sera la présentation de mon matériel, ça sortira dans une semaine, samedi prochain. Autre chose aussi, le fait que vous me disiez que quand est-ce que tu continues les vidéos, je vois dans le collège, bah, du coup voilà, vous avez votre réponse, j'arrête les vidéos et je préfère m'attarder sur ma passion, m'attarder sur quelque chose de plus important. Autre point, en juillet, vous savez, il y a le Tour de France cycliste, hein, donc mon père étant originaire de Pyrénées, je vais donc participer à une étape, l'étape de Trie-sur-Baïse. Bon, j'ai un énorme projet pour cette vidéo. Et je vous en dirai plus dans une grande vidéo qui durera une dizaine de minutes, car c'est très important. Je ne vous en dis pas pour l'instant, mais c'est un énorme projet unique dans une vie. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager la vidéo à vos amis cyclistes. On se retrouve la prochaine fois. Bonne route, c'était Victor. À bientôt.